Salut les amis, alors je vous ai promis de beaucoup plus parler des business, n'est-ce pas, aussi sur la chaîne. Et voilà, c'est ce que je vais faire. Il faut que je cherche un endroit où il y a plus d'éclairage. Donc, il s'agit pour moi de vous expliquer en fait ce business que beaucoup ne savent pas. C'est le business qui est lié à la rentrée. À la rentrée scolaire, vous savez, la rentrée c'est à peu près 4 à 5 mois. À peu près 4 à 5 mois. Et vous savez, chaque année, ce qui caractérise la rentrée, c'est l'achat des fournitures scolaires, l'achat des sacs et tout. Mais en ce qui concerne les transports de la Chine vers l'Afrique, il y a ce qu'on appelle les cargos. Et puis tu peux soit choisir de transporter tes choses par avion ou soit par bateau. Par bateau, c'est moins cher par rapport à l'avion. Parce que par bateau, en fait, c'est le volume qui compte. Pourtant, par avion, c'est le poids, de manière générale. Donc, si tu t'engages à un business pour la rentrée, par exemple, les sacs, tu achètes peut-être, disons, 10 sacs. Et vous savez que les sacs varient, ça varie. Hein? Sur les sacs de la maternelle, des grands et tout, tu peux peut-être dépenser à partir de 500 même. Tu as un sac. N'est-ce pas? Ça dépend aussi de ça que tu veux. Donc, tu peux te dire, ok, je fais venir peut-être 20 sacs, 25 sacs. Tu mets peut-être 50 000 de côté, 60 000, 70 000. Je vous assure que la marge, c'est plus de 100%. C'est plus de 100%, surtout quand tu t'y prends assez rapidement. Tu t'y prends tôt, en fait. Tu t'y prends tôt. Comme maintenant, nous sommes encore en mai. Tu fais venir tes choses par bateau, ce sera extrêmement moins cher le transport. Certains pensent que voilà, tu payes le transport, alors tu payes encore la douane. Non. Tout ça est inclus dans le transport, ok. Les amis, Ainsi, je crois que tout le monde a compris que les sacs sont assez minces. Quand tu les appuies, c'est mince. Donc, tu peux en fait acheter les sacs de 30 000. Peut-être ce sera, disons, 10 sacs. Et tu dépenses maximum 5 000 francs ou 10 000 francs sur le transport. Imagine-toi donc la marge que tu peux te faire. Les amis, moi je vous conseille, n'est-ce pas, si vous avez un peu d'argent, faites venir les sacs pour la rentrée dès maintenant. Nous sommes en quel mois? Nous sommes en mai. Constituez-vous, il y a un petit argent, même d'ici la fin du mois, n'est-ce pas? Vous faites venir des sacs de classe. Parce que juin, juillet, août, faites-le dès maintenant, c'est mieux. Dès maintenant, nous sommes encore au début du mois de mai. Faites-le dès maintenant et vous m'en direz des nouvelles. Les amis, c'est plus ils ne savent pas ça en fait. Donc, retenez déjà que tout ce qui peut partir par bateau, n'est-ce pas, est terrible. En fait, le transport sera terriblement moins cher. Trop moins cher parce que le bateau, ce qui compte, c'est le poids. C'est le volume, pas le poids. Pourtant, par avion, c'est le poids. Parce que les mêmes 10 sacs que tu envoies par bateau à, disons, 10 000, si tu veux faire venir ça par avion, ce sera... ce sera... 50 000, hein? Les amis, excusez-moi, à ce niveau, je me suis rendu compte que le son ne sortait plus bien. Donc, il a fallu que je puisse enregistrer, comme vous le voyez là. Alors, comme je vous disais, le meilleur moyen, n'est-ce pas, c'est envoyer par bateau. Et par bateau, c'est bien de le faire tôt. Donc, si tu regardes la vidéo aussi, apprête-toi déjà, afin que dès même la semaine prochaine, tu puisses le faire. Parce que ce sera vraiment dommage que tu puisses attendre la dernière minute. Parce que, comme je vous ai dit, par bateau, ça prend 50 à 70 jours. Donc, si vous voulez calculer, vous voyez que vous n'aurez pas vraiment le temps de pouvoir vendre si la marchandise doit arriver avant que vous vendez, vous voyez. Dans tous les cas, si vous êtes intéressé par ça, n'est-ce pas, faites-moi juste signe. Et puis, on va voir en fait comment s'arranger, si je peux vous envoyer les photos et puis vous proposer entre-temps et tout. En tout cas, je suis ouverte, n'est-ce pas?
Bon, il a fallu que je fasse la vidéo aussi très tôt parce que voilà, je sais que plus de gens se préparent. L'an dernier et les années avant même, les mamans s'y prenaient tellement un peu trop juste là. Ça fait que la marchandise est arrivée peut-être, disons, en septembre. Là, tu fais comment? Bon, il y a plusieurs maintenant qui avaient une bonne stratégie déjà. Elles avaient déjà affiché, les gens avaient fait leurs commandes et tout. Donc, du coup, quand c'est arrivé, elle a juste dispatché. Donc, vous pouvez faire aussi ça comme je venais de vous l'expliquer. Donc, c'est à vous de voir. Les amis, contactez-nous, nous sommes ouverts, laissez-nous un message là, voilà. Donc, les amis, et on va vous revenir, ok. Mais bon, c'est vraiment intéressant, que ce soit les sacs, que ce soit les goudes, tout ce qu'il y a à la rentrée, quoi. Les amis, pensez-y, c'est toujours important d'avoir un petit revendeur. C'est toujours important. En tout cas, je vous dis bye, c'était Mela pour vous servir, vous faites kiffer. J'espère que vous avez aimé la vidéo, elle a été assez informative. À la prochaine, abonnez-vous les amis, abonnez-vous, plusieurs viennent encore. Bye, bisous. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.